Good morning, America! Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, c'est lundi. Et les lundis, c'est let's go, en fait. Yappa! Bien le bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, lundi, let's go, numéro 4, 5. Je sais même plus où on est, toujours aux États-Unis, évidemment. Aujourd'hui, je vous l'avais promis la semaine dernière, on va aller à Universal Studios pour aller au parc Nintendo World qui a ouvert à Universal Studios Hollywood. Il a ouvert en février. Depuis février, j'ai envie d'aller, tu vois. Là, on est en juin. On va enfin y aller. On est en compagnie de Sky Rose, évidemment. Je vous emmène pendant le chemin. C'est parti, j'ai hâte. Et regarde, on est dans le thème ou on n'est pas dans le thème? Attends. On est dans le thème ou on n'est pas... T'es mal le coup de bassin, là. Voilà. Ça, c'est un coup de bassin universel, ça. On y va, c'est parti. Let's go, baby. Ce que vous êtes en train d'observer, c'est un Sky Rose sauvage. Regardez-le. Très difficile à approcher. Cette espèce n'est pas, on va dire, aimable vis-à-vis des personnes qui sont normales, tu vois. C'est pas compliqué de... Ah! J'étais en train de dire que t'étais une espèce en voie de disparition. Oh! Oh, mais quelle démarche! On n'est pas dans le thème, là? Hein? On n'est pas dans le thème? Ah, putain! Mais alors, tu sais que j'ai réentendu ce que tu m'as dit, j'avais ma petite musique dans les oreilles. Ah! Ouais. Non, je t'entends faire un reportage animalier sur toi. Ah, bah alors j'ai bien réagi, on va dire. Tu vois, je l'ai senti, tu vois, c'est le côté acteur. C'est inné. Je m'excuse, t'as commandé l'Uber? Ouais, on a commandé l'Uber, c'est à... Il est à 3 minutes, mais je crois qu'on est à 30 minutes. Mais c'est bien, c'est bien. Universal Studio. De toute façon, on avait un peu de balancement. Là. Ça y est, on est enfin arrivé à Universal Studio avec Monsieur Grafenknechtnest. C'est quoi? Monsieur Grafenknechtnest. C'est qui? Ben c'est toi. Il fait pas très beau, hein. Il fait pas beau du tout, il fait 14 degrés, 15 degrés. Il y a un peu de pluie là qui tombe. Je sais pas si on va passer une bonne journée, mais on va aller voir Mario. Et ça, c'est important, ça. Hey! Hey! Yamarana, tout le monde! Oh, tu parles Saïtien? Ah, wow. Ouais! Oh. Dédicace à tous les Titoy qui me verront. Voilà. Tu sais que... Titoy, tu te reconnais, Titoy? C'est toi, hein? Tu sais qu'à chaque fois, on me dit, je suis trop content que tu aies appelé Titoy à Sky Rose. Je te jure. Ah. Bon. Content de vous faire plaisir. Ben ouais. Et voilà. Ah, c'est tout ce que je sais, donc forcez par les gars. Ah, j'ai hâte. Depuis février, j'ai envie d'aller à Super Mario. Février. T'es content d'être là? Bah, je te comprends. En plus, avec moi. Mais ouais, avec toi. Tu sais, avec ta famille, tes amis. Oh. Quel ennui, quel... En plus, tu m'as dit que tu les aimais pas trop. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Bonne fête des mères. Oh merde, il filme. Hello, yeah, good, thank you. How you doing, man? Come on, man. Just thought I'd drop it like a nosy neighbor and say hi to you folks. But either way, nice to meet you folks. Thank you, sir. Have a good day. You too. Have a blessed day. Non, c'est pas... Studios Hollywood, have a great day. Have fun, everyone. Now we're talking. Happy birthday. Thank you, Robert. Morning, good morning, have a great day. Il y a pas un petit cours là-bas, vous voyez pas, il court. Universal Studios, la dernière fois que j'étais venu, c'était en 2022, je crois que c'était en famille, on avait bien apprécié. On n'avait pas fait grand chose parce qu'on était arrivé tard, il me semble. J'ai plus de grands souvenirs, mais Mario n'était pas encore ouvert. Je pense qu'aujourd'hui le programme c'est Mario et un peu d'Harry Potter parce que, avec Hogwarts Legacy évidemment, j'ai re-kiffé Harry Potter. On va aller voir Pouf Souffle à Maison de Cœur. On va profiter avec le Sky évidemment. Là, il est là-bas, il parle tout seul. Hein. Bon, ça a peut-être bougé un peu parce que tu connais ma cam, mais il fait pas beau, il n'y a pas de soleil donc. Les boutiques, on va y revenir après. Parce que d'abord, là, le but, c'est de foncer à Mario. Étant donné que c'est ce que tout le monde veut faire, il y aura énormément de monde, mais... Théma, on n'est pas bien, là. On est venu que 3 jours, et c'est incroyable. Hey, merci. On est bien à New York City, Sky. Eh ouais. On n'est pas à Los Angeles. Eh ouais. Welcome to New York City. On n'est pas mytho. Oh, le parc Mario est là-bas, là. On a une belle vue. Attends, je vais essayer de zoomer un peu, là. C'est pas beau ça? C'est trop cool! Là, c'est la momie. Incroyable la momie. Une des meilleures attractions ici, je trouve. Ceux qui font Jurassic World là maintenant, c'est des courageux quand même. Pourquoi? Ben ça te mouille! Ah ouais? Eh ouais? Yo, ça mouille! On m'a rien montré? Je sais pas, on regardait! Oh, c'est stressant, hein. Ouais, je sais. Et là, du coup, tu veux faire caca, tu fais comment?
je me fais ban pour des suspects. Hein? Mais je pense que tout le monde va à Mario en premier, en fait. Bah, c'est le nouveau truc. Meilleure attraction aussi. Hein. Vraiment. Attends, on a pas l'air qu'on est en live et en même temps on filme. Skyros filme et on parle fort. Universal, c'est génial. Après, il y a des attractions qui donnent mal à la tête. Des vlogs, il fait des streams, là. On est avec deux cams, ça va pas regarder, hein. Ah, une dans chaque main, on voit que le monsieur a de l'habitude, hein. Ouais. Et ça y est, les gars, on est arrivé à Nintendo World. Je sais pas si vous allez m'entendre, parce qu'il y a énormément de musique, mais on vient de prendre une photo, là, avec Sky sur les tuyaux. Et là, on va rentrer dans le tuyau, les gars. On va rentrer dans le tuyau. Quoi, on a fait 10 minutes de queue, plus 5 minutes pour faire la photo. Moi, c'était pas assez, moi, je prépare, il y a plus de queue. Ah, mais ça, c'est sûr. Et donc là, il est temps d'entrer dans le tuyau magique, là. Je sais pas si la musique, elle va être copyright, par contre. J'ai peur. On est dans le château. On est dans le château de Peach. Peach. Ça, j'ai adoré ce c'est jeu. Trop classe, j'ai ça. Adoré ce jeu. Looky, what I got, bro! Et il est l'heure, les gars. Il est l'heure de découvrir Super Nintendo World. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est incroyable. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et tu sais, c'est fait comme si on était tout petit, comme Mario. Ouais. Tu t'y attends pas. Bah ouais, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh la vache, par contre, il y a du monde sur les trucs. Ouais. Je pense qu'il faut aller faire la queue maintenant. Là. Ouais. Et comme je t'ai dit, il y a des petits bracelets qu'il faut qu'on achète pour aller jouer au jeu, là. Ah, Princess Peach à 9h30. Oh, il y a Princess Peach qui arrive dans 10 minutes, les gars. Oh. Peach, t'es trop cool. Et à notre mariage, il y aura foule. Putain, c'est trop bien, mais il y a énormément de monde. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, mais t'es mort. Il y a du monde de fou, hein. Et il est 9h du matin, là. Sachant que le parc, il a ouvert il y a une heure. Bah, parce que tout le monde veut venir ici, tu vois, c'est normal. C'est magnifique. On va essayer, c'est très magnifique. On va essayer de rentrer le plus vite possible. Et voilà, c'est ça en fait. Tu vas avec ton bracelet et tu tapes sur le bloc jaune. Tu récoltes des pièces. Et il y a Mario et Luigi dans une heure. Trop bien. Attends, Junker, on se retrouve juste après. 183 heures. 3 heures de queue. Et je pense que c'est mort, les gars. Et ça, c'est l'attraction principale de Super Nintendo World. C'est bon, c'est dommage dans un sens, mais parce qu'on n'a pas le temps. 3 heures de queue, sachant qu'on a les vols à 2 heures. Ouais. En fait, technique, c'est impossible. C'est impossible. Château de Bowser. Ça, c'est le resto de Toad. Non, il est ouvert, non? Ah non, Full Book for Today. Ah, Full Book for Today? Non, mais attends. On va aller du coup à la boutique. Bon, on va rien dépenser, évidemment. Ce qui est cool, c'est que quand tu as l'application Nintendo, enfin l'application Universal Studio, tu achètes un petit bracelet et il faut que tu ailles jouer à tous les petits jeux qu'il y a dans le parc pour récolter des points. Et après, il y a un classement dans la journée pour celui qui a eu plus de points, qui peut battre le record du mois. Mais c'est un vrai jeu vidéo en fait. Ils ont vraiment retransmis l'esprit Nintendo à travers le parc Universal. Vraiment cool. Et en plus, tu dois chercher les... Il y a des petits œufs, je crois. Il y a des petits œufs les... et tu dois les chercher dans le parc. Qui sont cachés. Je sais plus, mais j'ai regardé plein de vidéos, ça a l'air génial. Le parc, il est incroyable. Allez, boutique. Le t-shirt Mario, quel âge l'ami, hein. Je sais pas en quel tissu il est. Ah, ça, évidemment. Et je crois que ça, c'est pour les pop-corn, non? Et genre, tu peux remplir à fond les pop-corn. Ah, c'est ça, regarde. T'as pop-corn illimité. C'est $20, mais après, t'as pop-corn illimité. Là, t'as un pigeon, premier pigeon. C'est pas toi. Yoshi, je suis pas très fan de Yoshi. Oh, mini Bowser, incroyable. Oh, Bowser, incroyable. Oh, les t-shirts sont incroyables, par contre. Mario, Peach, t'es trop cool. Et à la mariage, y aura fou. C'est toi le pigeon? Les t-shirts sont incroyables. Eh, franchement, ouais, Bowser, là, je le suis. Je vais en prendre un peu. Bon, c'est une petite boutique, je pensais que ça allait être plus grand, mais il y a rien de vide, en fait. Dommage,
ensemble. C'est vraiment dommage. Bon pigeon, les gars. Donc tu mets ça sur ton poignet. J'ai pris celui de Todd parce qu'il était stylé, je trouve. Et tu vas récolter des pièces, en fait. Attends, je vais aller là où il est allé parce que après il va se perdre, l'autre. Et tu vas récolter des pièces. Attends, je vais chercher un truc. Et dessus, sur l'application, tu regardes tes points. Ouais, mais ils ont pas changé le temps. Ouais, vas-y, on va demander. Donc au final, on est venu quand même. Mais on est venu du côté single rider, donc on pourra pas être avec Sky. On pourra pas être ensemble. Mais apparemment, c'est 10 minutes de queue. Contrairement à 3 heures si tu viens en groupe. Mais on va le faire quand même. Comme ça, on fait une attraction et en plus de ça, on a une belle vue. Et là, il y a Bowser. Ah non, merde. Une fois que tu as scanné ton patch, ton bracelet, tu as l'application et tu peux jouer au jeu dans le patch. Et tu as un classement en fait. Et moi, je suis Team Peach. Et on est. Non, Team Todd, on est troisième. On est dans le château de Bowser. Même les lumières, elles ont des corps. Regarde, il y a Bowser lui aussi, tout ça. Et grâce à Sky Rose, on a une petite tactique, une petite astuce, c'est qu'il faut passer par le solo rider. Comme ça, fait moins que 3 heures contre 10 minutes. Il est trop fort. Moi, je suis sucé un peu, quoi. Pardon? Non, mais. Ah, d'accord. On est prêt là. Bon, en vrai, on a fait 20 minutes. Franchement, ouais, je pense au total, on va attendre une demi-heure. Mais c'est déjà mieux que 3 heures, quoi. Ça fait vraiment une gueule de con, hein. On ressemble pas du tout à Mario. Pas du tout. Toi, moi je ressemble à Mario. Let's go! Non? Here we go! On est pas rien. On est les quatre là-bas. Ah, vraiment, c'est cool. Ouais. Si tu t'en fous d'être avec la personne avec qui t'es, ça tu peux juste faire l'attraction. Encore 20 000, ça va. En vrai, je pense que, techniquement, dans les cas, c'est celle qui est le plus populaire, quoi. Bah oui. C'est vraiment l'attraction à faire. Donc, si on arrive à faire la meilleure attraction du truc, c'est bon. Hein. On n'est pas vu pour rien, Sky Rose. On est pas là pour enfiler des perles. Ouais. Abonnez-vous. Des pouces bleus. Oh. Et like. Oh. Partage la vidéo aussi avec tes copains en disant hey, tu sais quoi? Hey, en FR, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. Ouais. Okay. Bon, après, ouais. Toi, j'ai vu ta vidéo, t'as dit adieu Tahiti, je quitte Tahiti. Donc, t'es quoi maintenant alors? Moi, je suis un Américain maintenant. Ah, ok. Yeah, I want to thank you, everybody, for all the likes, subscribe, money. And don't forget to roast beer. Puis, c'est l'autre, tu sais, je l'ai dit hier. Ça y est, on y est là. On va partir sur l'attraction. Donc, faudra juste mettre des lunettes et on va rentrer sur le kart. L'attraction vient de se terminer là, il y a encore des cartes à côté, on est dans le kart là. C'est plutôt sympa, c'est comme ça, et en fait ils donnent des lunettes que tu mets sur ton casque, et là à l'intérieur tu vois, c'est vraiment comme Mario Kart en fait. Il faut que tu imagines que t'es comme Mario Kart. Il y a peut-être un problème, c'est que t'es tellement pris dans le jeu, parce que tu dois lancer des carapaces avec ton volant qui est là, t'es tellement pris dans le jeu que tu regardes pas trop les décors qui sont autour. C'est peut-être le seul problème, mais regarde, là. Et ça encore, vous voyez rien, quoi, mais les décors sont fous. T'es mal là-bas derrière. On va peut-être un petit peu, c'est la ligne d'arrivée là-bas. Mais voilà, au moins on a fait quelque chose, l'attraction Mario Kart. En fait, avec le bracelet, vous allez sur des blocs comme ça, jaunes, et vous mettez votre point là. Là, il faut que tu te mettes en haut comme ça. Ah bah ça y est, j'ai plus de points. J'ai plus de points. Et du coup, après, vous avez des pièces dans vos bracelets. T'as aimé l'attraction? Il est trop content, le gamin, trop content. Bah voilà, on a fait le tour de Mario. Au moins, on a fait les choses principales. On reviendra, Mario, on reviendra. C'est vraiment sympa. Après, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais. Antoine, il fait la danse de Mario. C'est où la sortie? C'est là? Je vais faire la danse du poivrier, mais. Vas-y, bah vas-y. Je connais pas, moi, ça. C'était sympa. Maintenant, on va aller dans Universal Studios. Et on va aller voir. Oh là. Peut-être à faire un tour dans Harry Potter. Ouais. Prendre des points, non? Un vrai gamin, hein. C'est vraiment juste. Ah, merde. C'est un cul-de-sac. C'est vraiment juste pour venir casser des blocs en fait. Ouais, c'est le château en fait, c'est le tube. Après avoir remonté les escalators interminables, on est de retour aux Simpsons. Là, je pense qu'on va aller vite fait à Harry Potter. Et ensuite, on va chercher un truc à manger parce qu'on a un peu faim. Ensuite, je pense qu'on va aller parce qu'on doit pas tarder là. On a un rendez-vous important. Du coup, on pourra pas rester toute la journée. Au pire, on pourra peut-être revenir. Oh. Et voilà, on était obligés, hein, après avoir joué à Hogwarts Legacy,
obligé d'aller faire un tour à Harry Potter. On va aller voir Hogwarts Legacy. Je vais essayer de trouver des trucs pouf souffle. Parce que ouais, je suis à pouf souffle. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Allons voir Poudlard. Viens, t'as les chauffeurs de train là. Il est pas beau gosse? Qui partira jamais. Mais oui, ah, mais c'est pour ça. En plus, le ciel, il va parfaitement avec le décor d'Harry Potter. En vrai, ouais. Ouais. Mais en vrai, il fait bon. La bière au beurre, évidemment. Mais il y a de l'alcool, tu penses? Non. Non. Oh, regarde, elle, elle est dans... Quelle école? C'est du beurre de micelle ou... Non, c'est le beurre du Daft. Moi, je vais acheter des trucs pouf-souffle, moi. Il y a Ollivander et tout. Ah, mais en vrai, on est à Bréolard, en fait. Il y a du monde, dis donc. Des moldus. Ouais. Des moldus. Des moldus partout. L'enfant et tout, il faut manger ça. C'est un vrai sorcier. Ah ouais, c'est le futur Drago Malfoy. Et tu veux que je peux essayer ma baguette? Laquelle? T'en as pas acheté? Ah, je sais pas, je suis un vrai baguette, sorcier. Baguette, ouais. Croissant, crossbit. Regardez qu'est-ce qu'il y a là. Le château de Poudlard. D'ailleurs, je pense que j'avais filmé quand t'es venu en 2022, 2021. Mais je suis plus sûr. Mais il est magnifique. Hein. Il est magnifique, le château. Franchement, ouais. En vrai, il est magnifique. Encore de la bière au beurre. Et t'as tous ceux qui viennent avec leur robe de sorcier et tout, c'est incroyable. Harry Potter, c'est banger quand même. Oh, les écoles, fleurs de la cour. Oh mon Dieu. Bon, petite boutique de souvenirs Harry Potter. C'est trop stylé. Ah ouais, ça c'est la chambre des secrets, ça. C'est immense. Waouh. Enfin, ça. Bah ouais, moi je suis pouf souffle. Ouais, c'est vraiment un truc de merde. Hein, mais... Ouais, toi quand t'as fait le test, t'étais cerveille. Bah c'est quand même mieux, non? Non. Oh bah. Ha non. Ça c'est bien une parole de pouf souffle là. Franchement. Pouf souffle, c'est l'honnêteté, la gentillesse au cerveille, c'est juste des intellos chiants. T'es jaloux parce que t'as rien dans le cerveau là. Ouais, t'es un intello. Forcément, quand t'es con, tu peux juste gentil quoi. En plus, c'est jaune, tu vois la couleur de l'espoir. Frère, ta chaîne, ton logo, c'est jaune. Eh ouais. Y'a que des trucs manchements là. Bah ça y est, on s'en va. On n'est pas resté longtemps, mais on a fait le principal. C'était sympa. Je sais pas si là... En vrai, on va aller manger, mais... On verra si la journée continue. A tout à l'heure. Eh ben dis donc. Voilà. J'espère que cette vidéo ce lundi vous a plu quand même, cette petite visite du parc de Super Nintendo World. Évidemment, ce que vous avez vu, c'est juste la partie de Mario. Mais évidemment qu'à Universal Studios Hollywood, il y a énormément de choses à faire. Jurassic Park, le studio tour, vous pouvez aller voir Harry Potter. On n'a pas vu beaucoup d'images parce qu'on devait y aller malheureusement. C'est la fin de ce séjour à Los Angeles, les gars. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, normalement, on est lundi 12. Je pourrais vous en dire plus sur ma venue à Los Angeles demain, mardi 13. Donc attendez-vous. Ceux qui aiment bien les vidéos, attendez-vous. Ceux qui aiment bien les vidéos en général, voilà, c'est ce que je... J'ai failli glisser là. Ah, j'étais là, j'ai failli glisser. Demain, mardi 13, je pourrais vous en dire plus sur ma venue à Los Angeles, évidemment. C'était vraiment cool. Je pense que je vous ferai un résumé, évidemment, de notre journée, parce qu'elle a été non-stop. On a eu le temps d'aller à Universal le matin. On y est allé de 8h30 à 11h30. Donc ça a été short and sweet. Mais après, on a fait plein de choses, plein de rencontres, de belles rencontres. Et je vous en dirai plus de toute façon demain. Donc stay tuned. Merci beaucoup de regarder ces lundis Let's Go. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je sais pas si je vous filmerai la fin de mon... Ça se trouve, ça va arriver... Oh, je sais même... Ah, j'aurais peut-être dû vous filmer mon trajet de retour. Je sais pas. On verra. Peut-être que vous allez avoir des vidéos du trajet de retour. Si c'est pas le cas, on se dira au revoir juste après. Mais je vous dis quand même des petits bisous. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas les pouces bleus. Je vous fais des gros bisous, c'était Mazel. Ciao, bye! Je vais peut-être crier trop fort dans le micro. Spider-Man. Pew.